Bonjour, je vais remplacer le fond de mon image et puis des couleurs qui peuvent me déranger. Voilà, je veux obtenir ceci, c'est-à-dire j'ai plus de couleur en fond et en plus j'ai modifié la couleur du ruban. Alors comment faire? Je sélectionne mon image, je vais dans le menu Outils, je choisis l'outil Pipette, je cherche cet outil. Voilà, je coche la couleur, la première que je veux changer, le fond, la deuxième, le gris, la troisième va être le vert, et je les remplace par une couleur aucune, c'est-à-dire transparente. Donc tout ce qui est à peu près marron à 10% près, tout ce qui est gris, tout ce qui est vert, ça deviendra transparent. Ensuite, je vais sélectionner le rose du ruban. Et là, je vais non pas laisser transparent, mais je vais choisir une autre couleur, par exemple le pourpre. Je remplace. Donc il y a la tolérance, on verra après. Je remplace et je vois que je suis pas tout à fait satisfait. Le fond, c'est bien, mais le ruban, c'est pas tout à fait ça. Donc j'annule. Annuler, on appelle ça défaire dans OpenOffice. Et vous voyez que je peux faire pomme Z, contrôle Z sur les PC. Voilà, contrôle Z et j'annule ce que j'ai fait. Je reviens où j'en étais. Donc mes couleurs, c'est le rose qu'il faut reprendre. Donc, je recommence. Je choisis le rose. Je le change en pourpre. Mais c'est la tolérance que je vais modifier ici. Voilà, je monte à 20, 20, 25, 22 par exemple. Je remplace. Voilà, c'est à peu près bien. Bien sûr, si je voulais faire mieux, il faudrait aller dans le logiciel de retouche d'image. Donc ça me convient, je vais enregistrer. Alors pour enregistrer, je peux soit aller dans le menu Fichier, Enregistrer, ou aller aussi, je peux faire au clavier CTRL S, et je peux ici, dans le cas d'OpenOffice, cliquer sur la disquette bleue.